dans son jeu. Désolé, je suis super en retard. Salut Mario. Salut Max. On avait une super digression là. On était parti d'Anthropocène. Ouais. On a eu un moment assez fascinant sur Michel Bougenat. Enchaînement classique. Et là, je crois qu'on était plutôt sur les baleines, les cétacés. Et du coup, est-ce que tu veux que je te parle de mon nouveau job? Oui, par exemple. Tu fais une mise en scène pour Michel Bougenat, du coup? Non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux que ça. Elle fait du... Enfin, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe. Elle fait du théâtre appliqué à la médecine. Mais si, est-ce que tu te souviens que je travaille avec les médecins? Que je forme des comédiens qui font les faux patients pour les étudiants en médecine? Non, je ne le savais pas. Excusez-moi. Mais maintenant, je travaille surtout sur un protocole de test qu'on fait avec les laboratoires de l'Université de Nantes. Stylé. Ouais, c'est de l'e-médecine. L'e-médecine, c'est un peu la médecine du turfu, là. Tu sais, là, la médecine du futur. Trop stylé. Des robots et tout. Trop cool. Wow, mais comment c'est trop stylé? C'est mon e-docteur. Ah, ton e-docteur. Donc. E-docteur. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Mais alors, attends, parce qu'il faut que je branche le haut-parleur. Ouais, l'idée, c'est un peu que ça devienne comme Jarvis, tu vois, dans Iron Man. Ouais. Ah, chouette, une référence geek que j'ai pas encore. Et K2000, quoi, un peu un truc comme ça, non? Mais dans oui, un si hôpital. Tu veux. Mmh. Bah, comme Dr. Asseloff et tout. Ouais, non, ça marche. Si ça marche. Votre rythme cardiaque s'est beaucoup accéléré. Tout va bien? Bah oui, ça va, ouais, ça va mieux. Ah, je faisais ça juste pour vous impressionner. Mais le truc, c'est qu'en plus, je peux lui parler. Ah ouais? Vous voulez voir? Vas-y. Idoc, tout va bien. J'ai juste eu une émotion. Tu dois pas savoir ce que c'est, mais pas de panique, ça va. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'émotion. Je suis vexé que vous me le fassiez remarquer. Alors là, c'est qu'elle essaye de faire une blague, en fait. Ouais, c'est un truc qu'on a fait pour essayer de combler l'étrangeté de la relation avec la machine. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Pour l'instant, c'est pas encore hyper au point, quoi. Ouais, parce que c'était pas très drôle. Ouais, voilà. Ouais. S'il vous plaît. Et tu veux pas montrer le truc que t'as sur le bras là? Ah si. C'était une espèce de capteur qui prend sa tension là, ouais. Sans arrêt. Wow, mais c'est trop stylé! Et même chez moi, j'ai une balance connectée, j'ai des analyseurs de sang à distance. Tu vois, c'est pour collecter l'évolution des données. Et je sais que la semaine prochaine, je vais avoir des nouveaux trucs, mais je sais pas encore ce que c'est. Mais tu crois que peut-être ils vont te livrer des toilettes connectées qui vont avec un frigo connecté qui te fera des petits plats connectés? Faut pas pousser mémé dans les orties là, non. Puis moi, le truc, c'est que ça va bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas de maladie, je peux faire ce que je veux. Et c'est justement ça avec le café, en fait. C'est que j'essaye de voir comment est-ce que l'IA va réagir si je mets ma vie un tout petit peu en danger. Ouais, bah, t'es pas obligé de te sacrifier pour la science non plus, quoi. Non. Il y a pas moyen de mettre ton capteur sur quelqu'un d'autre, voire sur un autre organisme, pour vraiment le tromper, quoi. Genre, si on met ça sur un petit mulot qui a un cœur qui... 300 francs pour un mulot. Ouais, mais je crois pas que ça fasse partie du protocole de test. Hein. Après, j'aime bien le côté esprit scientifique, aventureux, tout ça, mais... Et puis en plus, il va rien comprendre. Imaginons qu'on fasse ça, il va se retrouver dans une situation complètement anormale. Il est capable de gérer ça, en fait. Ouais, parce qu'il est en train d'apprendre des trucs, là. Mais ouais, carrément. Hein, mais alors, s'il connaît pas le café, il va jamais te dire « Attention, arrêtez de boire du café ». Bah justement, faut lui demander. Idoc, je me sens pas très bien. Est-ce que tu peux savoir ce qui m'arrive, s'il te plaît? Je ne sais pas, j'ai pour l'instant atteint le niveau expert pour l'accompagnement de personnes âgées diabétiques. Il me reste beaucoup à apprendre. Puis-je avoir accès à votre code génétique? Oh! Oh là! Non, c'est personnel ce truc-là, tu peux pas. Personnel. Et un peu loin du robot qui remplace le médecin quand même, non? Je peux par contre vous donner le titre de la chanson qui passe à la radio? Tu crois qu'on l'a vexé là? Je n'ai pas encore assez de données pour que mon analyse soit pertinente. En fait, le but de tout ça, ce qu'on expérimente, c'est un peu le côté éthique du truc, tu vois. Parce que les objets connectés, en fait, ça amasse plein de données et ça va les transmettre à une intelligence artificielle. Après, le truc, c'est comment est-ce que tu les sécurises? Parce qu'il y a toute cette histoire du secret médical, par exemple. Et puis en plus, l'intelligence artificielle, eh ben, forcément, elle apprend. Et elle est capable de dessiner des modèles à l'intérieur de cette masse de données. Et du coup, aussi capable... de prendre des décisions qui sont statistiquement les bonnes, mais qui sont peut-être moins viables d'un côté éthique, tu vois, pour l'individu. Et puis tu sais, en plus j'ai l'impression que moi, cette relation-là, elle est toujours un peu tendue dans la science-fiction entre les robots qui veulent le bien de l'humanité, mais qui finissent par vouloir la détruire, justement pour la sauver, enfin, qui est toujours un peu un truc comme ça, quoi. Aérobot. Ouais, Terminator. Mmh. Après, la médecine, c'est la science la plus empirique qui soit. Enfin, tu testes un truc et tu regardes comment ça marche. Et ça, bah, les robots, ils sont vachement capables de le faire.
Donc du coup, si ça pouvait enlever un peu de charge de travail au médecin, bah... Les symptômes s'empirent. Je ne comprends pas. Mise en relation avec votre médecin. Ah. J'ai reçu une notification. Du coup, je vous appelle. Vous vous sentez bien ? Bonjour docteur. Oui, ça va, j'ai juste bu un peu de café. Faut dire au e-doc d'arrêter de m'appeler pour ça. Vous en avez bu combien ? Bon, quelques-uns. Ah. J'ai pas dormi depuis 49 heures, donc je dois en être à ma troisième cafetière. Mais je dois vous dire que c'est pas bien pour vos insomnies. Bon, allez, prenez soin de vous. Ok, bisous, Doc. Bisous, Doc. Bisous, Doc. On se connaît bien. Bah oui. E-doc, rappelle-toi pour plus tard, il faut pas appeler le médecin à chacune de tes hésitations. Voulez-vous que je calcule 10 puissance 12 décimales de pi ? Ça va, moi. Non. Ouais, non. Non, c'est bon. Moi, ça va. Je suis utile, ne me désactivez pas. Une partie d'échec. Non, moi ça va. Vous, je file un peu, moi, du coup. On se voit chez Jérôme. À bientôt. Ça marche. Bien. Et tout. Une partie de go. Non, mais tu sais, il faut que tu arrêtes de vouloir être à tout prix plus performant que nous. C'est pas le seul but de ta vie. Il y a d'autres trucs aussi, comme. L'amour. Oui, par exemple. Mais. C'est vrai que c'est souvent leur objectif final. Hein. Leur but, généralement, c'est ça, c'est de dépasser leur créateur. Ils sont tout le temps fixés là-dessus. Là. Je ne reconnais pas vos symptômes, mais je connais le sens de la vie. Le sens de la vie ? Ah, attends, je sais. Tu vas pas dire 42. J'adore cette blague.